Bonjour à toutes et à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver pour le début d'un nouveau walkthrough, celui de Warring Conflicts, son extension Warring Conflicts va être assaut. Je parlerai pas beaucoup durant cette toute première mission, hein, parce qu'il y a beaucoup de dialogues, comme d'un peu tout le jeu, donc je parlerai pas beaucoup. Il n'y aura également pas de commentaire historique, étant donné que c'est un jeu qui se base sur un pseudo... Troisième guerre mondiale, étant donné que la guerre froide aurait dégénéré dans une troisième guerre mondiale. Donc ça sera vraiment juste pour présenter un jeu qui m'a plu, un jeu beau, faut dire ce qu'il y a, et qui en jette plein vue. Donc, hiver 88. Poussé au bord de la ruine économique par la guerre froide, l'Union soviétique réclame de l'aide aux occidentaux. Printemps 1989. Tandis que les négociations s'étalent sur un résultat tangible, la tension monte, le monture rideau de fer. Été 1989, les négociations sont rompues. Summer 1989, negotiation breakdown. Avec mon accent magnifique. Vu leur intransigeance d'hier, nul n'a été surpris de voir les diplomates de l'OTAN quitter la conférence de Malte. La paix n'est visiblement pas leur préoccupation. Ils n'ont en tête que menaces et mensonges au profit de la machine de guerre capitaliste. Mais nos braves camarades des forces armées ne se laisseront pas intimider. Ils sont vigilants sur la frontière allemande, solides comme des rocs, prêts à punir les forces de l'OTAN si celles-ci... C'était inévitable. Nos préparations massives avaient duré trop longtemps pour ne pas déclencher quelque chose. Nous étions comme un ressort comprimé, prêt à jaillir. Nous n'attendions qu'un mot. Attaquer. Le moral était bon et les hommes plaisantaient sur la facilité avec laquelle ils écraseraient l'ennemi. Certains riaient moins. Ils étaient allés en Afghanistan. Ils connaissaient la guerre. Regardez où vous roulez, camarade. Volodia. C'est qui? Tu ne sais pas? C'est le colonel Orlovski, une vraie légende. Ah! Camarade-major Lebedev. Cela faisait longtemps. En effet, camarade Orlovski. Je me demandais qui ils enverraient pour me surveiller. Votre commandement est la clé de notre grand dessein, camarade. Qui d'autre que moi pouvait-il envoyer? Je vois que vous vous croyez toujours très important. Mais je suis très important, n'est-ce pas? Ou bien c'est mon cher vieux beau-père qui l'est. Enchanté de vous revoir, mon ami. Alors, où en sommes-nous? Tout est maintenant en place. Je ne peux pas dire que ça me remplisse de joie. Le Politburo sait ce qui est bien. Nous, nous devons seulement lui obéir. Alors, la décision est prise. Appelez-moi le lieutenant Romanov au téléphone.
Je veux qu'il jette un dernier coup d'œil à nos défenses avancées. Venez, tovarish polkovnik. Appelez le lieutenant Romanov. Immédiatement. C'est pour quand? Bientôt. Lieutenant Romanov, votre groupe Alpha doit faire une une minute. Le colonel veut vous parler. Lieutenant, mon indicatif est Sokol 1. Il n'y aura pas d'autre reconnaissance. Vous devez exécuter le plan Odessa. Les défenses aériennes doivent être détruites avant l'assaut principal. Votre objectif consiste à détruire deux positions anti-aériennes. Vous tirez à volonté. Nous sommes en guerre. Bonne chance, lieutenant. Sokol 1, terminé. Ici Zvezda, nous sommes en position. Prions. On bouge. Ici Zvezda, nous sommes prêts à entrer dans le camp. Nous allons d'abord sécuriser l'entrée et neutraliser la tour de garde. Nous attendons l'ordre, lieutenant. On se déplace. Entrée du camp sécurisée. Nous sommes prêts à y aller, lieutenant. Sokol 1 à Romanov. La première position AA est située à l'est. Ne perdez pas de temps. On engage. On bouge. Hélicoptère de reconnaissance ennemi repéré. On reste à couvert. Zone sécurisée. On se déplace. Ici Zvezda. On place les explosifs. Tour de garde sécurisée. Ce que sur la carte là, le rond, c'est ce que vous voyez en fait avec vos yeux. Bien joué, Romanov. Il reste une cible. Allez au nord. On bouge, on se déplace. En avant. On bouge. Garde neutralisée. En avant. Groupe Alpha en déplacement. On engage. Ennemi éliminé. En avant. Zvezda Romanov, nous sommes sur l'objectif. La cible n'y survivra pas. Tous les explosifs sont en place. On se prépare à l'exfiltration. Ici Sokol 1. Les coordonnées d'exfiltration ont été envoyées. Allez-y immédiatement et évitez de vous faire repérer. Les explosifs seront déclenchés quand l'attaque sera lancée. Groupe Alpha en déplacement. Sortez de la zone aussi vite que possible. Mission accomplie. On s'exfiltre. On se voit dans quelques jours, lieutenant. Zvezda, terminé. Bien joué, lieutenant. Ces hommes vont se disperser et revenir jusqu'à nous dans les jours qui viennent. Vous devez maintenant vous préparer pour l'assaut à venir. Vous aurez des ordres dans l'heure. Sokol 1, terminé. Bienvenue, Grisha. Alors, l'entraînement de recrues. Mortel. Mais nécessaire, camarade sergent. Nous en aurons bientôt besoin. Tovaritcha! C'est une joie de vous voir tous ici aujourd'hui. Et ma joie sera plus grande encore quand bientôt vous franchirez ces murs. Nous montrerons à ces chiens de l'OTAN comment on se bat. Ils pensaient pouvoir nous imposer leurs lois et nous soumettre. Ils pensaient que nous courberions les Chines. Mais aujourd'hui, nous allons leur montrer que l'armée rouge ne s'incline devant personne. Aujourd'hui, ils vont voir la puissance
l'Union soviétique. Il y en a qui connaissent cette chanson. Ou plutôt de la musique qui passe derrière, ce serait sympa qu'ils me le disent dans un commentaire, parce que ça fait un moment que je cherche, jamais trouvé. Romanov, les explosifs vont se déclencher dans 3, 2, 1, maintenant. Sokol 1 à tous les éléments du groupe de combat. Aujourd'hui, nous libérons Berlin Ouest des oppresseurs américains. Dans quelques minutes, une pluie de feu va tomber sur l'ennemi. Lieutenant Romanov, je veux que vous lanciez un barrage d'artillerie. Le mur lui-même doit être détruit par des explosifs mis en place. Donc, or, nous revoilà. Et je vais tout ordonner le raid tactique d'artillerie. C'est point que vous débloquez. Ici, Sokol 1. Aube rouge. Je répète, aube rouge. Faites-moi honneur. Les tactiques, c'est tout ce qui vous permet d'attaquer l'ennemi, de faire des dégâts. Vous gagnez des points en détruisant les unités ennemies, en occupant les objectifs, tout ça. Nous avons trois objectifs. Détruire le 6e bataillon blindé américain, sécuriser le pont Moltke sur la Spree et sécuriser la rue du 17 juin au profit de l'état-major. Lieutenant Romanov, avancez avec votre peloton de chars jusqu'à la ligne de phase Volga. Détruisez tous les ennemis que vous croiserez. Or, ça, quand vous endommagez une unité. Nous devons sécuriser avant midi la rue du 17 juin. C'est l'avenue principale. L'état-major envisage une parade le long de l'avenue pour célébrer la victoire que nous devons remporter pour eux. L'offensive est lancée, Romanov. Donnez à vos chars l'ordre d'assaut immédiatement. Ah, c'est vraiment un spectacle, hein, ce jeu. Alors bah, vous voyez qu'on endommage un ennemi, je gagne un peu dans les points, quand on détruit aussi. Bah, quand je renforcerai aussi les positions que vous verrez un peu plus tard, je gagnerai aussi. Hein. Alors, la capacité offensive spéciale des chars lourds, c'est HEAT. Comme je disais, c'est puissant contre les véhicules légers, mais inutile contre les chars lourds. Hein. Et surtout, et sur le blindé, c'est un écran de fumeur. Vous êtes à mi-chemin, lieutenant. Continuez à avancer. Par exemple, voilà. Dépêchez-vous d'atteindre l'objectif, Romanov. Je vous dégage une route. Malachenko à Sokol 1. La résistance est plus intense que prévu. Prium. Compris, Malachenko. On vous envoie de l'aide. Et vous pouvez appeler trois fois même être tactique avant qu'ils soient revenus. Alors vous avez un prix, si vous prenez une fois, deux fois, trois fois, ici 12, 22, 32, puis souvent c'est rentable pour en prendre plusieurs. Un temps de déploiement, c'est le temps nécessaire avant qu'elle soit employée sur le champ de bataille. Et un temps de rechargement, c'est le temps avant que la prochaine salve soit utilisable. Ah bon, Google HET est efficace sur le transport de troupes de flanc. Contrairement, ça sert à rien. Bien joué, lieutenant. La ligne de phase Volga est atteinte. Bordé ici. Romanov, nous devons sécuriser ce carrefour. Vous attaquerez l'ennemi par le flanc. Malachenko en profitera pour avancer. J'ai pris de l'avance. Ici Malachenko, on progresse. Nous devons avancer plus vite, lieutenant. Mettez vos unités en position. N'oubliez pas de demander un tir de soutien en cas de besoin. Oui, l'artillerie est extrêmement efficace. Et le nouveau tir de soutien qu'on a, c'est barrage de coordonnées. Un tir beaucoup plus réduit, beaucoup plus cher, mais qui occasionne beaucoup plus de dégâts. Donc voilà. A vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'aime bien le lourd. Hein. Donc, écho de combat, fortification. Vous aurez parfois des petites fenêtres comme ça au milieu du jeu pour vous expliquer c'est quoi. Donc, pour fortifier une position, vous devez placer les unités à tous les points du périmètre connecté de cette position. Plus vous avez d'unités, plus vite la position est fortifiée. Ensuite, les fortifications sont plus difficiles à détruire pour les unités ennemies. Vous avez des positions. Nous devons préparer nos défenses avant la contre-attaque. Anti-infanterie, anti-char et anti-aérien. Franchement, moi je trouve que c'est complètement une idée.
Si, en fait, c'est utile pour avoir les points. Voilà, moi j'utilise pour ça, c'est pour avoir les points ici. Sinon, l'utilité, j'ai pas trouvé ça toujours très efficace en fait. Mais bon, c'est toujours bien en fait de retarder l'ennemi, ça, comme ça il nous prend plus de temps pour sécuriser les zones. En multijoueur, bien évidemment. Ici Nièvre, j'appelle Sokol 1. Nous sommes attaqués sur le pont Molke et nous ne pouvons pas tenir. Ils ont des hélicoptères. Envoyez des renforts, vite. Je répète, ils... Nièvre, répondez. Short, nous devons sécuriser le pont Molke ou tout le flanc sera balayé. Romanov, je vous envoie renforcer la section B et capturer ce pont. Vous aurez besoin de soutien anti-aérien contre ces hélicoptères. Alors, appelez des renforts sur le canal de soutien. Nandros, très en DCA. Donc ici, vous positionnez ce recadrage. Là, où vous pouvez appeler vos unités. Les Américains vous réduiront en pièces si vous ne vous protégez pas, lieutenant. Ici, c'est toutes les unités que vous pouvez appeler. À gauche, vos points que vous avez. À droite, quand vous perdez une unité, c'est les points qui vont être les points de coup de l'unité qui vont être ensuite redistribués dans les points utilisables. Bien joué, Romanov. Ces unités vous rejoindront bientôt. Donc ici, vous mettez ça. Ici, vous définissez. Vous avez 20 secondes pour que l'avion revienne. Vous déployez vos troupes. Vous avez 20 secondes avant que l'avion soit disponible. Vous avez encore 20 secondes avant qu'il revienne sur le champ de bataille. Donc en tout, il vous faut une minute entre chaque cargage. Donc réfléchissez bien à ce que vous appelez. Il faut prévoir à l'avance. Vous êtes prêt, lieutenant ? Allez jusqu'au pont et sécurisez l'espace aérien. Donc là, je vais essayer de présenter maintenant les galons. Il y a des hélicoptères ennemis en approche, lieutenant. Bah, c'est une unité grade 0. Mais un petit échelon. Grade 2. Grade 1, ça dépend comment vous appelez. Mes chars sont dernier level, pour information. D'autres hélicoptères ennemis foncent vers vous, Romanov. Donc, grade 3. Je veux dire que c'est grade 3, hein, on va dire. Grade 4, ils auront deux petites barres dorées comme ça. Et grade 5, ils auront une étoile. Voilà. La difficulté, c'est surtout en fait les unités ennemies sont de grades différents en fait. Ils sont gradés. Gradés, c'est-à-dire des capacités que vous avez plus souvent, meilleure cadence de tir, tout ça. Tout ce qui est habitué en fait. Comme vous constatez, je n'ai pas encore utilisé ça parce que j'économise. Parce que je vois pas l'intérêt d'utiliser pour un sang. Heureusement que vous êtes arrivé dans les temps, Romanov. Les troupes de flanc allaient succomber. Continuez et sécurisez ce pont. Tir d'artillerie lourde confirmé. Protoc terminé. Nous avons le pont. Restez en place et dressez des défenses. La contre-attaque ne va pas tarder. Tir d'artillerie lourde confirmé. Voilà, il faut juste faire ça. Pour vous montrer le SU. Et surtout, bien évidemment, vous voyez son armement. On voit le cockpit, on voit le pilote, bon, il est un peu mal pris, le pilote, le cockpit intérieur, ce que j'adore en fait, c'est vraiment un petit détail, mais j'aime bien un jeu qui a autant de petits détails, c'est vraiment ce que j'aime. Hein. Protoc terminé, l'hélicoptère visé a été détruit, l'artillerie terminée, ennemi abattu. Donc là vous lancez plein de frappes d'avions de chasse sur le pont. Pas aussi regroupé que moi. Nous avons aussi besoin de position anti-char, Romanov. Mettez vos hommes au travail. Vous voyez que c'est extrêmement efficace contre les chars, ça, cette frappe-là. C'est pour ça que j'adore en fait les frappes d'avion. C'est compliqué à mettre en place, mais c'est très efficace, ça coûte pas très cher en plus. Ya Sokol 1, le pont Moltke est sous notre contrôle et le flanc nord est sécurisé. Nous devons une fière chandelle au lieutenant Romanov. Voilà. Vous pouvez pas me dire que je vais moche quand même. Lieutenant, je vous affecte à la section B. Ils sont en train de former une ligne de bataille. Prenez position et préparez-vous à avancer. Donc voilà, nous allons continuer. Hein.
Profitez-en pour combler les trous laissés par vos pertes. J'ai appelé un T-80U, c'est le char le plus lourd du RSS. Après, voilà, c'est juste une question de goût. Hein. Après, voilà, vous avez le T-80U, vous aurez les Abrams du côté américain, les Sheridan, T-62, des Cheftain, des BMP, des Strega, des Chaparral. Ah, ça, c'est une unité automatique. Romanov, allez avec la section B vers l'avenue principale et faites la jonction avec le capitaine Malachenko. Les Américains préparent une contre-attaque. Section A, avancez. Section B, avancez. Ce doit être votre jour de gloire. Sokol 1, terminé. Peut-être tout ça vous permet de savoir en fait c'est quoi que vous affrontez. Sokol 1, des hélicoptères alliés viennent vous secourir. On peut remercier l'aviation, camarade. Sokol 1, Malachenko Nesviaze, nous sommes attaqués par des hélicoptères OTAN. Nous avons besoin de soutien anti-aérien. Romanov, vous avez l'équipement nécessaire. Aidez le capitaine Malachenko si vous pouvez. Ouais, ici, vous mettez ça ici, vous allez les aider contre les Apaches et les Cobras. Voici un Apache. Merci, lieutenant. Vous avez sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. Je ne l'oublierai pas. Malachenko, terminé. Je crois qu'il y a que des Apaches là pour l'instant. Oui, ça, c'est des Apaches. Bien joué, Romanov. Nous progressons. Je veux que vous fassiez la jonction avec le capitaine Malachenko. Ensemble, vous formerez la pointe sur laquelle les Américains se jetteront avant d'être détruits. Vous voyez, j'avance Malachenko, très très bien. Govorit Malachenko, nous nous rendons sur la position avancée. Je vois approcher les chars américains. Bien, ils sont sur le point de lancer leur contre-attaque. Via Sokol 1. Toutes les unités sont en place et les Américains approchent. Les sections A et B doivent continuer à fermer la voie pendant que le lieutenant Romanov et le capitaine Malachenko tiennent le centre. Bien pris, on cherche les chars. Rotnik terminé. Romanov, je vous donne le contrôle de tous les tirs de renfort. Nous avons des TU-95 en approche. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, utilisez tout ce que vous pouvez pour contenir l'attaque américaine. La première vague ennemie est là. Demandez des tirs d'artillerie et des frappes aériennes, Romanov. Favorite Malachenko, nous allons détruire l'avenue si nous demandons des bombardements inconsidérés. Mon souci est de gagner cette bataille, capitaine. Pas de pavoiser les rues pour la parade de l'état-major. Accomplissez votre mission. Compris, Sokol 1. Ils viennent le long de la route. Malachenko terminé. Les Américains lancent tout ce qu'ils ont dans cette offensive. Je compte sur vous pour vous en occuper, lieutenant. Govorit Malachenko, c'est un jour glorieux pour la patrie et pour le socialisme. Bientôt, Berlin-Ouest sera libéré. Ça, ah ouais, un cobra. On détruit, mais un cobra quand même. Oui, c'est quand même très très facile. Bon, c'est beaucoup d'artillerie là. Les Américains doivent être aux abois pour se lancer sur nous de cette façon. Bombe incendiaire et frappe aérienne. Ils se comme des crétins. Et ils meurent comme des crétins. Restez en place. Des bombardiers TU-95 sont en route pour s'occuper des ennemis restants. Je répète, restez en place. N'entrez pas dans la zone. Vous voyez, on... Voilà. Ya, Bergut. On largue notre cargaison. Restez à distance. Frappe réussie. Retour à la base. Bergut, terminé.
On les a écrasés. Ya Sokol 1 a tous les éléments du groupe de combat. Les Américains ont été détruits et l'avenue est sécurisée. Je suis fier de vous tous, mais faites honneur à vos camarades qui ont péri aujourd'hui. Sans leur sacrifice, cette victoire n'aurait pas été possible. Sokol 1, terminé. Alors, ça commence. Bien sûr, ça a commencé. Je me demande comment ça finira. Le plus tôt sera le mieux. La victoire était facile aujourd'hui. Et que se passera-t-il demain ? Ah ! Voici mon neveu Collier. Il s'est vraiment bien distingué aujourd'hui. Tovarich Polkovnik, capitaine Malashenko au rapport. Rapport, camarade. Voici le major Lebedev. Enchanté de vous rencontrer, camarade. C'est une victoire éclatante à laquelle vous avez contribué aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Toute l'Europe verra bientôt la gloire du socialisme. Vous accompagnerez mon oncle ? Nous aurons cet honneur. Mais vous devez retourner à votre unité, Nikolai. Dites aux hommes que je suis fier d'eux. Je leur dirai. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que notre cause triomphe. Camarade-major ? Il tient de sa mère. Deux ou trois comme lui, et la guerre serait terminée en deux semaines. J'espère que vous avez raison, Valery Fyodorovitch. Je l'espère vraiment. Donc c'est ainsi que nous avons accompli la première mission du Warding Conflict. Débriefing. Berlin Ouest a été libéré de l'injuste occupation étrangère et vos actes parlent en votre honneur, camarade lieutenant. Le haut commandement s'est montré déçu des dégâts excessifs subis par la route du 7 juin. Mais ce qui compte, c'est que vous êtes parvenu à sécuriser la ville avant midi. Si nous continuons sur cette lancée, la guerre sera rapidement terminée. Je ne lirai pas tous les objectifs principaux qu'on a fait, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Un petit compte rendu, nous avons occupé tous les objectifs secondaires dans notre camarade. Ce que nous avons eu comme médaille lors de service de la patrie, lors de Bogdan Magninsky, je sais pas comment ça se prononce, je m'en excuse, et la médaille de la libération de Berlin. Un petit résumé, voilà, le temps qu'a duré la mission, le score que j'ai fait, unité détruite, réparation, aide tactique, point de renfort dépensé, unité tuée, fortification. Série de tuer, ça c'est le nombre d'unités que j'ai tuées avant de mourir. Aide tactique favorite, c'est ceux qui en réalité qui occasionnent le plus de dégâts. Aurais unités promues, voilà, les unités préférées, donc c'est vraiment des petits stats. Donc j'espère que cette première mission de ce nouveau Wakfu vous aura plu. Désolé, j'ai pas parlé beaucoup, mais voilà, c'était la vidéo d'introduction, donc il y a beaucoup de pargotes. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à une prochaine fois et vive le jeu vidéo.